Regardez-moi ce beau livre. Avant même de l'ouvrir, on a envie de sourire en regardant le visage de ces 15 pionnières du Québec. Donc, on le devine, avant même de l'ouvrir, qu'il s'agit d'un album de type documentaire qui retrace le destin de 15 femmes du Québec, 15 pionnières. C'est un incontournable, donc, de Catherine Ferland et de Constance Harvey. On nous présente des femmes assez connues de ma génération en montant, par exemple Alice Roby, la chanteuse, également La Poune, mais aussi des femmes moins connues comme Gisèle Lamoureux, qui était une botaniste, une écologiste, ou encore Maude Abbott, qui est une pionnière en cardiologie. Chaque chapitre retrace l'enfance de chacune de ces femmes, mais également les obstacles qu'elles ont dû surmonter pour parvenir à réaliser leur destin. C'est un album qui est très inspirant et fait par des femmes inspirées. On attend un tome 2. La paix vient d'être signée. Ça y est, la guerre est finie. Pendant le conflit, j'ai beaucoup chanté pour nos soldats canadiens-français dans les bases militaires. Je pense qu'en chantant, je donne du courage à ceux qui nous défendent et participe un peu, moi aussi, à l'effort de guerre. Ces tournées loin de chez nous m'ont donné le goût de partir encore plus loin. Oui, j'ai de grands projets et j'ai bien hâte de voir ce que la vie me réserve.